Shalom, frères à tous. Alors, j'avais fait une vidéo sur l'étoile de David, mais maintenant, je fais une vidéo sur l'étoile de Moloch, Moler en hébreu, et l'étoile du dieu Ramphan, hein, que nous voyons dans Actes 7:43, que certains détracteurs antisémites ou même anti-chrétiens, même des chrétiens eux-mêmes, accusent de nous qui portons la Magen David, le bouclier de David, qui est l'étoile de David et l'étoile du Machiav Yeshua, d'être idolâtre. Donc, il considère que nous portons l'étoile de Moloch, donc du dieu Ramphan. Maintenant, si nous regardons bien, quel était ce Ramphan, on va aller voir. Alors, certains assimilent l'étoile de David au dieu Ramphan, mais nous allons voir que, comme j'ai expliqué dans l'autre vidéo, que ce n'est pas l'étoile de David le problème, c'est ce que les gens ont chez eux la plupart du temps. Donc, l'étoile du dieu Ramphan, c'est comme je l'avais fait montrer dans l'autre vidéo, c'est ça là, l'étoile à 8 branches. Donc là, nous avons Moloch et Ramphan. Là, on voit bien que l'étoile de David, hein, c'est à 6 branches. Il y en a qui l'ont carrément occulté, hein, qu'ils ont dit que c'était un symbole satanique. Mais en vrai, si nous regardons bien, il est là. Alors, pour ceux qui disent que, voilà, Moloch, hein, eh bien, nous allons voir que des chrétiens, et même catholiques ou autres, portent l'étoile de Moloch chez eux, et même ceux qui fêtent Noël. Et oui, regardez bien. Voici l'étoile de Moloch que la plupart du temps les gens ont dans leur sapin. N'oublions pas que Noël est une fête païenne qui est en l'honneur de Tammuz, un dieu babylonien. Nous voyons bien que Moloch, ceux qui ont le sapin chez eux et qui fêtent Noël, c'est eux qui portent l'étoile de Moloch, du dieu Ramphan. C'est assez incroyable, mais si nous prenons chez les catholiques, malheureusement, eux aussi, ça montre bien que l'étoile de Moloch, de Moloch, est représentée partout. Ça, ce n'est pas l'étoile brillante du matin. Ça, c'est l'étoile de Moloch. L'étoile du berger, ce n'est pas ça. Nous ne savons pas comment elle était, l'étoile. Donc, mais ça, ce que je peux vous dire, c'est que ça, je peux vous dire, c'est que il y a quand même, hein, c'est flagrant. Et là, si nous regardons bien, par exemple, une statue. Par exemple, ces statues-là. Bon, on va pas trop s'attarder sur les images, mais donc l'étoile de ce cher Moloch, ce n'est pas l'étoile de David, mais c'est tout simplement une étoile à 8 branches. Là, nous avons quand même un symbole de l'étoile de Moloch. Voilà. Donc Moloch, son étoile, ça. Y a-t-il un lien entre Moloch, Ramphan et. Parce que Moloch est aussi appelé Ramphan, hein, le dieu vide ou le dieu invisible. Eh bien oui, c'est l'étoile d'Ishtar. Ça, j'ai dit ça dans l'autre vidéo, hein, bien évidemment. Ishtar. Vous avez vu? Voilà, ça c'est Ishtar. Mais il n'y a pas que ça aussi, c'est que si nous voyons bien, c'est que c'est l'octogramme. C'est que beaucoup utilisent ce symbole, qui est aussi l'étoile de Moloch. Vous voyez, hein? Ça représente bien le dieu Ramphan, puisque
Ça, ce sont des éléments dans la vicane, dans la sorcellerie, tout le bordel, hein. Il y en a qui portent quand même ce bijou. Et malheureusement, les chrétiens et ceux qui accusent les juifs, ou quoi que ce soit d'autre, que vous soyez ou que vous soyez croyant ou non, que vous fêtez Noël, tous ceux qui fêtent Noël portent l'étoile de Ramphan. Voilà, c'est ça l'étoile de Ramphan. Vous avez ça, et bien évidemment, ça, et là, en voyant vraiment, c'est de la sorcellerie, hein. Voilà. Ça, tout ça, c'est de la sorcellerie. C'est ça l'étoile de Ramphan. Voilà, tout simplement. Voilà, mes amis. Donc, l'étoile de David, faut que les gens arrêtent d'accuser tout et n'importe quoi. Donc, là, vous avez l'étoile de Ramphan. Ceux qui fêtent Noël et qui fêtent la naissance de Yeshua ce jour-là, ils sont en train de fêter le dieu Ramphan. Vous ne fêtez pas Yeshua parce que Yeshua n'est pas né un 25 décembre. Mais en plus de cela, c'est que vous fêtez le dieu Ramphan. Voilà. Donc, je vous dis Shalom Ouvracha à tous. Et s'il vous plaît, arrêtez d'accuser les choses que vous ne connaissez pas. Merci.